Hello tout le monde, bienvenue sur une nouvelle découverte. Ce jeu, en fait, au niveau jeu de bagnole, c'est vrai que j'avais envie d'avoir un jeu de bagnole concernant ma chaîne. Et j'ai en essayé plusieurs, dont un qui était pas mal, c'était Racer Room, mais qui est vraiment balèze, que c'est de la pure simulation. Et j'en chie un petit peu, ça fait au moins un mois que je m'entraîne, pour vous dire. Mais ce jeu, je l'attendais. C'est Next Car Game Virtuirts. Alors ça dépend comment on le dit, parce que en fait, je sais pas si le jeu est vraiment anglais ou allemand. Virtuirts, ça pourrait être plusieurs prononciations au niveau du nom du jeu. En tout cas, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce jeu? On retrouve de la simulation, on va dire, je sais pas, ceux qui sont dans la génération de la PlayStation 1, c'est Derby. Voilà, on est sur de l'arène, on se tape de la bagnole américaine du V8, du V12. Qui se racassent l'un contre l'autre. Après, on n'a pas que du stadium, on a aussi de la course, on va dire plutôt du NASCAR dommage, c'est-à-dire que ça... Ouais, je dirais plus du NASCAR, on aurait du derby, du NASCAR. Alors, ce jeu, pour vous dire, au départ, il a un coût, c'est 20€. C'est une précommande sur Steam, vous pouvez l'acheter, c'est une précommande parce qu'il sort officiellement ce printemps, le printemps prochain, celui qui a, le printemps 2015. En fait, on a juste pas toutes les voitures, je crois qu'on a 4-5 voitures, c'est tout. On n'a pas tous les réglages, on peut pas augmenter nos crédits, si on peut augmenter nos crédits, mais on peut rien acheter. On peut préparer le jeu avant d'y jouer officiellement, quoi. Voilà l'avantage de ce jeu. Alors vous pouvez le précommander, il est 20€, vous avez, comme si vous avez acheté le jeu, il n'y a pas de souci. Mais simplement il faudra attendre le printemps pour en avoir plus. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut jouer en multijoueur sur serveur avec Steam. C'est ça qui est pas mal sur tout type de course. Et c'est vraiment intéressant. Là ce qu'on va faire, on va commencer par une toute petite arène. De frappe pas dingue. Alors j'ai une petite bagnole parce qu'en fait j'ai vu que les petites bagnoles dans les arènes tiennent beaucoup mieux que les grandes parce que les moteurs sont à l'arrière. C'est ce que je suis en train de me faire. Alors j'ai joué un Digicon, j'ai un petit peu avec. L'avantage qu'il y a avec ce jeu là, si vous avez une manette, un volant, un joystick, je vous dire, j'ai rien touché au niveau des réglages, tout était prêt. Voilà, vous avez rien touché. Tout est prêt automatiquement sur votre manette Xbox, mon joystick, si vous avez. Alors le J35. Si vous avez un J35, un volant, je vais vous faire un C-plaise là-dessus. C'est un truc de malade. Allez, on est parti. Allez, entrée start. Alors, vous entendez les V8. Les voir, voilà. Ah, faut que j'en... Merde, j'ai plus trop d'avance. J'ai assez. Ouais, j'ai pas une grosse bagnole. Je pense que c'est comme une bagnole. Mais ça va super bien sur les galeries. Sur les stadiums. Le problème du réalisme, c'est que sur ce jeu, on a des accidents, on va dire, on a des fois des dommages concernant le moteur, direction, fond. Et là, en fait, ça peut vous entraîner une mauvaise conduite de la voiture, il faut gérer sa conduite. Au graphisme, c'est super, je vais pas chier là-dessus. Là, je suis au maximum du mec, pour montrer la valeur jusqu'à plus haut. Voilà. Et juste vous dire, pour une bêta, on vous appelle ça une alpha. Pour une bêta, c'est quand même pas mal. Allez. Voilà, allez, je te fais dans le cul. Ah non, il est à l'avant. Ok, allez-y. On va chercher un autre sapin, tiens. Tiens, je te fais le cul. On fait autant en même temps. Pas que je fasse trop de marche. Oh, le salaud. On va me retourner ma caisse, hein. Ah merde, je vais lutter. Putain, c'est pas vrai. Ah, je peux taper le... Ah, il y en a un. Sport, salut. Voilà, allez, mange. Il y en a un, là. Voilà, on se prend. Oh là, j'en ai eu deux. Trois. Oh, la bagnole est plus trop belle, hein. Ah, voilà, il y en a. Alors il y a des vues, ah ben, on peut pas regarder, je vous montrerai les vues après, plutôt sur la prochaine course, voilà. Pour résumer, on a fait un petit coup de derby. Je suis 9ème, bon, ça va, c'est quand même pas mal, nickel. Nickel, nickel.
Moi, j'en ai fait un petit peu, hein. Mais je veux dire, je crois que je vais rentrer pendant un bon moment. Parce que je me régale avec ça. On va continuer et on va faire, alors je vous découvre un petit peu. Alors vous voyez, on arrive directement au garage. Alors il y a un mélange. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un mélange entre du Wolf Tank au niveau garage et du War Thunder au niveau de tout ce qui est option au niveau des véhicules. Vous voyez, l'expérience, des réparations. Voilà, c'est là-dessus, on est comme sur du War Thunder. Et autrement, point de vue garage, on est comme sur du Wolf Tank. Voilà, sur du Wolf Tank. Alors, vous voyez, je gagne quand même mes crédits, mes XP, mais je les préserve. J'espère peut-être les préserver pour quand le jeu sera sorti le printemps prochain pour avoir les autres véhicules, quoi. Voilà, on a de la grande bagnole, tout ça. Alors, je vais essayer de prendre de la grande bagnole. Qu'est-ce qu'on a comme bagnole, là? American Muscle, American Muscle 2, européenne, American... Comment? Serdan, ok. Bon, bah, ok. Bon, on a de l'européenne, hein, on a de l'européenne et puis de l'américaine. Bon, on va faire une... Qu'est-ce qu'on a comme américain? On va prendre celle-là. Oh, voilà, elle... Tiens, celle-là, ouais, tiens. Celle-là, et puis on va se faire... Eh bien, on sort directement un petit... Voilà, une petite course, je sais pas quoi prendre. Alors, il y a... Alors, pour dire, à peu près, on course des billes. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est en course? Non, je sais pas ce que c'est. On essaiera de faire des essais. Alors, là, c'est tout ce qui est stadium derby, hein. Petit le grand stadium... Alors celui-là je connais pas, celui-là j'ai encore pas fait, mais on le connaîtra parce que là je vais en faire une série sur ce jeu de bagnole, j'en cherchais un et c'est vrai que là on sera pour l'instant sur l'alpha, sur l'alpha bêta, et on va se taper un petit délire avec ça. Qu'est-ce qu'on va se taper comme course? Tiens, on va prendre, à mon avis c'est un peu style NASCAR ovalisé, ouais c'est ça, et là c'est méchant, hein, c'est méchant. Alors la bagnole, j'ai jamais conduit de celle-là, on va voir ce que ça a donné. Voilà. Voilà, on débute une partie, voilà, on a toute la vue du parcours. Voilà, on a un parcours un peu. Ouais, pas trop NASCAR, parce que c'est encore pas penché de chaque côté, mais c'est un bon. On va dire c'est un bon ovalisé, on va dire. On est au circuit. Hop. Parti. Il n'y a pas trop d'attente, hein. On démarre tout de suite, là. Hop. Allez, on va essayer de passer à l'intérieur, à la chose. Voilà, parce que si ça tape, ça tape, hein, les gars. Voilà, bah ça a tapé, voilà, c'est le coup de la couille. Oh putain, c'est le Camaro en plus. Oh putain. Ah bah allez, t'attends. Ah bah tiens, c'est à prendre, connard. Oh putain, je suis en train de démonter la bagnole. Chose de bien. Ah bah elle est pas belle, hein. Alors, il y a des vues. Ah, pas encore, on peut voir à l'intérieur. On va essayer de faire une petite vue intérieure. Il y a un bon bruit de 8, putain, ça c'est bien. Allez, c'est parti, maintenant je fais de la coupe. Combien 20 sur 24, voilà, on va remonter. Allez, on monte un peu les choux, on va draper. Je trouve la bonne comme on fait. Voilà, on se met en travers. Oh, mais j'ai traîné mon pote, hein. Allez, casse-toi. Je suis en train de foncer, mais... Voilà. Allez, c'est parti. Oh putain. J'ai fait un trou d'avancée. Ouais, c'est trop dur, ouais, c'est toujours sympa. Ça déchire en tout cas du coup. Oh putain, il n'y a pas énormément de tour. Ok. Oui, il faudrait un team sur quoi, sur un 3-24. Ouais, bah j'ai recommencé ça. C'est vrai que même si vous êtes premier, il pourrait toujours avoir un véhicule au milieu de la... du circuit et vous faire passer directement pratiquement la moitié de la votre place que vous étiez, on va passer en dixième parce que si vous tapez cette bagnole, le temps de vous reprendre, vous avez pas mal de bagnoles qui vous rattrapent, quoi. Allez, zou. Allez, on passe à l'intérieur. Oh putain. Oh la caisse. Ouais, c'est bon, on peut reprendre. Yes. Ok, allez, on va faire ça. Hop. Ça tape encore, hein. Allez. On prend le virage. Yeah.
Il y a encore du monde, là, ça tape encore là devant. Là c'est pas bon. Ouf. Ah, j'ai pas risqué de niquer, je reconnais. Ouais, c'est déjà mieux comme ça. Je suis désolé, j'ai rechangé un peu de plus, on est sur le moteur. Oh, regardez ça. Elle est passée tout de suite 9ème place, les gars. 9ème place. Vous voyez, juste une bagnole hein, qui passe en travers. Ça a vite fait que vous enlevez le concurrent, il faut y passer. Hein. Ouais. Putain, c'est bon ça. Oh la salope. Ouais, je suis passé. J'ai de la chance. J'ai un dommage moteur, c'est pas méchant. Oh ouais, je suis passé. J'ai doublé. Allez, suivant. Oh le sale, oh le sale. Non, non, stop. Allez, reprends-toi. Allez, reprends-toi. Voilà, ok. C'est parti. Putain, il y en a qui nous a doublé. Eh ben, neuvième. Ah, de savoir si j'ai plus fort que tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais. Oh, regardez ça. Ouais, j'ai 50 dollars dans la poche, mais putain, mais j'ai plus de bagnole. Bon, ça va, putain, bien. Impeccable. Alors, on va essayer de faire une petite partie. Alors, je vais vous montrer la partie multijoueur maintenant. La partie multijoueur qui est ici. Alors, déjà, au niveau des bagnoles, alors tout ce qu'on peut faire, c'est régler. On peut régler la peinture. Ah, ça, c'est les moteurs en fait. On peut changer les moteurs. Back. Voilà, paint. On peut changer. Genre, là, je sais pas si on a pas une couleur. Pas une couleur bleue là. Oh, tiens, un bon petit bleu. Ouais, sympa. Ah, c'est back, ouais. Ok. Eh ben, on va passer sur du bleu. Ceci, puis on essaiera. Vous voyez, pour la première fois que j'ai la découvre, celle-là a l'air d'être pas mal. Alors, multijoueur, ben voilà comme ça se passe. C'est assez simple. Ok, stability control. Voilà, voilà, la stability control, on peut la mettre off, c'est-à-dire synthetic quand même, des fois. Alors, voilà, comme ça se présente, bah tiens, on va en faire un. Ah, il y a du stadium, ouais, c'est bon. Alors, vous voyez, il y a quand même il y a quand même un peu de serveur, ça qui est pas mal. Alors, du 8-8, on va essayer celui-là. On va faire une course. Et comme ça vous aurez la partie bon on peut pas le joindre. Bon, j'ai fait une refresh. Hop. Ah non, bah celui-là on peut pas le joindre. Alors des fois il y a des petits. Ok. Alors, est-ce que c'est des fois se dire que c'est plein? Ah c'est connecting, ok. Allez, max et puis 10, ouais c'était pour ça, peut-être c'était plein en fait. Alors je connais pas un circuit hein. Mais j'aime mieux le circuit ovale, un peu comme du NASCAR. Il y a un petit coup de NASCAR là-dedans. Mais déjà, ah non, bon bah le serveur on l'a dans le cul, je sais pas ce qu'il y a. Alors, bon on va recommencer. Alors, on va reprendre une. On va faire une petite course comme c'est sympa pour montrer en multijoueur. Non, ok, on peut pas rejoindre. Bah tiens, ah non, c'est un derby. Parce que la bagnole qui est là, je voudrais pas trop faire du derby avec la bagnole que j'ai en fait. Bah plutôt. Ah. Wow, max 24 joueurs. Putain, vous voulez pas en mettre là. Bon, attends, on va bien voir. Voilà comme ça se présente. Voilà. On a les joueurs qui sont là. Oh, moi je vais mettre, ça y est, bon je suis prêt, ready, go. Il faut attendre que le monde se mette prêt. Alors je sais pas s'il en faut beaucoup qui doit se mettre prêt les mecs là. On est combien? On est 3. Ah c'est ça commence à se mettre là. Ah en fait il y avait une course, ouais d'accord. Il y avait une course qui était en course, c'est ça. Ok. On a un chat hein, les gars. Bon, tant que ça se met en place, je pense qu'il y aura. Ouais, il y a du monde qui est bon.
Ouais, c'est comment? Ça commence dans 13 secondes, ok. Bon, en tout cas... C'est un peu plus. On va essayer de remettre un peu la bonne ça. Waouh! Ok. Bon, bah déjà, c'est pas trop bon que ça commence comme ça. Faut se reprendre. Oh putain, okay. Allez, cassez-vous les gars. Le mec il doit avoir plus rien, hein. Plus d'action, plus rien. Waouh. J'ai un foutu en vue intérieure, c'est plus sympa. Voilà. Alors je connais pas comment ça marche là, on a de la terre. Waouh, ouais, il y a une conduite différente. Hein. Ah ouais, il y a plusieurs conduites. Oh putain. Ah, pour vous dire sur ce circuit là, je me suis pas entraîné. Ah ouais, c'est vraiment la terre, c'est notre discipline. Ah ouais, c'est ça qui est pas mal. Oh putain, je suis parti dans le décor, ça y est. Ouais, celle-là va pas être belle. On va mettre avec les matières, c'est pas mal. Un peu plus de vue. Je trouve... Oh. Ah ouais. Ah non, mais il doit avoir un... On doit faire un peu de... Ouais, on est en rond mon gars, allez. On va reprendre ça. Ça va pas être trop beau. Hein. Même le dernier. Ah bah non, 15 solides, pas putain. Putain, il y en a encore des plus gros que moi. Bah oui, il n'y a pas bougé tout à l'heure. Ouais, après ça va peut-être se prendre. Waouh. Eh non, je crois. Merde. Il y a une façon de conduire hein, sur la terre que ça. Ah bah là, je suis la bagnole. Ah, 14, il y en a qui s'est déjà fait l'autre faire en moi, ok. Rien que nous, ils conduisent sur le terrain. Ah, c'est pas évident, hein. Sur ce circuit-là... Ah, il y a encore des travers, les mecs. Ouais, mais moi, je pars de cul direct. Hein. Allez, rends-moi dedans, toi. Oh putain. Oh le bordel. Ok, très surpris, c'est-à-dire qu'il y en a avant qu'on abandonne. Ah bah lui, il a abandonné, ok. Ça t'apprendra à rentrer dedans, déjà. Ah bah toi... Oh, c'est à lui, mon pote. Peut-être taper de panneau. Oh non, même pas. Putain, il y en a un qui est en travers. Dernier coup. Allez, on va essayer de compter. Ouais, ok. Bon, ça va. J'ai essayé de retourner correct celui-là du raid. On va essayer de faire les autres. Je suis en plein entraînement sur le circuit. Je cherche pas à être le number one. Ouais, non, il me pousse le cul. Ouais, ah, ok. L'autre, il m'a poussé, il m'enflamme. Voilà. Oh, la gueule qu'il a, la bagnole. Où on fonce des. Ok. Ouais, voilà les amis, en tout cas, voilà, on peut même voir les gaillards là qui roulent. Ok, voilà, c'est un peu top ça. Mais voilà les gars, c'est juste bah, une bonne petite découverte concernant ce jeu qui sera sur ma chaîne, qui est juste en version bêta. Oh putain, il roule en plus, on le voit avant le mec. Oh putain, ouais, enfin, j'ai repris la gueule du matin en travers. Oh. Ouais, on voit que la machine elle a morflé. Hein. En tout cas, eh ben je vous dis à la prochaine, surtout avec ce jeu, parce que je pense que je vais faire des lives avec, et je ferai une carrière aussi avec. On verra un peu de tout, hein, quand même un peu de tout, que ce soit du derby, la course. Ouais, c'est un peu quoi, c'est en train de se mettre le mec, je sais pas quoi. Alors, en tout cas, ben, je vous dis à la prochaine, et... Ben, si vous y mettez sur jeu, allez-y, parce que là-dessus, il n'y a pas un problème. Il marche super bien et il est magnifique. Allez, bye tout le monde.